Tout de suite, Business Excellence avec Oseo. Oseo finance l'innovation et la croissance des entreprises. Aujourd'hui, nous allons à Aulnay, en région parisienne, pour découvrir Gerbé, une entreprise internationale qui innove chaque jour pour faire avancer la médecine. Spécialiste des produits de contraste pour l'imagerie médicale, son objectif est d'améliorer le diagnostic des grandes pathologies et relever les défis de la santé. Pour diagnostiquer leurs patients, les professionnels de santé ont de plus en plus recours à l'imagerie médicale. C'est pour proposer des solutions toujours plus efficaces que Claire Corot anime le pôle innovation de l'entreprise Gerbé. Un produit de contraste sert à voir l'intérieur du corps humain. Il permet de faire un diagnostic précis des pathologies pour une bonne prise en charge des patients. L'un des produits phares de l'entreprise Gerbé est le Dotarem, un produit de contraste pour IRM. Il est utilisé en IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Cette méthode permet de visualiser différentes pathologies. L'utilisation de l'imagerie médicale a augmenté de plus de 57% dans le monde depuis 2002. Le chiffre d'affaires de Gerbé est en constante croissance, bien évidemment. Son produit de contraste innovant lui a permis de grappiller de nombreuses parts de marché. Retournons à Aulnay pour connaître les perspectives d'avenir de l'entreprise. En 2012, Gerbé devrait terminer la modernisation de son site de production pharmaceutique, ce qui va permettre à l'entreprise de tripler ses capacités de production pour le marché mondial et ainsi de pouvoir approvisionner un marché toujours plus important. Par ailleurs, nous poursuivons notre effort d'innovation avec le développement de nouvelles molécules en IRM et en médecine nucléaire. Grâce à ces innovations, Gerbé jouera très certainement un rôle majeur dans le secteur de la santé. Dans notre prochain rendez-vous, nous découvrirons une entreprise qui, elle aussi, place l'innovation au centre de sa stratégie. À très bientôt dans Business Excellence. C'était Business Excellence avec Oseo, l'entreprise des entrepreneurs.